Nick Chambès est un gars sympa moyen, qui est le webmaster d'un site de fans dédié à son actrice préférée, Gilles Godard. Gilles Godard est l'actrice principale du film intitulé Ciel sombre, la troisième vague, et elle assiste actuellement à sa cérémonie de promotion à Austin. Nick est également venu à Austin, car il a remporté un concours en ligne, où le prix était un dîner avec Gilles. Il est actuellement dans son hôtel, regardant la cérémonie sur son ordinateur portable, et publiant simultanément les photos de Gilles sur son site de fans. Nick reçoit un email de Darkski Productions l'invitant à enregistrer une vidéo d'introduction, alors Nick allume sa caméra et enregistre une vidéo se présentant, ainsi que son site de fan. Il envoie la vidéo et reçoit peu de temps après un appel d'un gars de Darkski nommé Cort. Cort demande où il est en ce moment et Nick dit qu'il est dans son hôtel à Austin. Cort est surpris d'entendre cela et lui dit que le concours a été annulé. Nick devient confus, car il pensait qu'il était censé attendre à l'hôtel. En un mot, il est venu jusqu'à Austin pour rien. Cort dit à Nick de ne pas s'inquiéter et lui envoie un lien. Lorsque Nick fait glisser et dépose le lien sur le site web de Darkski, cela donne à Nick accès aux caméras de surveillance de la salle de cérémonie. Cort dit à Nick de prendre une photo du décolleté de Gilles, car c'est la meilleure photo qu'ils peuvent obtenir en ce moment. Cort lui envoie alors un autre lien ouvrant une fenêtre du téléphone de Gilles. Nick a désormais un accès complet au téléphone de Gilles, y compris ses appareils photos, ses contacts et ses photos. Le pauvre Nick est incapable de comprendre quoi que ce soit et demande à Cort qui il est et comment il a piraté le téléphone de Gilles. À sa grande surprise, Cort révèle que Gilles est celle qui a annulé le dîner sans aucune raison, il est donc juste que Nick se venge d'elle. Pendant qu'il parlait, la cérémonie se termine, et Gilles appelle son agent, Tony. Il décide de se rencontrer au Grand Well Hotel, le même hôtel où Nick séjourne. Nick reste dans la chambre 700 tandis que Gilles et son agent Tony arriveront dans la chambre 686. Cort lui envoie alors un autre lien, qui enregistre tout depuis la caméra de Nick. Cort lui dit de placer la caméra à côté de la fenêtre, d'où ils peuvent espionner la chambre 686. Cort dit également à Nick d'éteindre la lumière, pour que personne ne puisse voir qu'ils espionnent. Puis une autre fenêtre étrange apparaît sur l'ordinateur portable de Nick, et il interroge Cort à ce sujet. Cort dit qu'il n'y a pas de fenêtre étrange sur son écran et part après lui avoir dit qu'il peut l'appeler à tout moment. Tout ce qui se passe dépasse l'entendement de Nick, et il clique sur cette étrange fenêtre. Cela le relie à trois personnages étranges, qui se réfèrent à Nick comme étant le Nevada. Ils disent qu'ils veulent travailler pour lui, et la ligne d'où ils appellent est introuvable. Nick ne peut rien comprendre alors, il coupe l'appel, alors que Gilles arrive dans la pièce. Elle sort apparemment avec Tony, mais les deux se disputent, et elle quitte les lieux frustrés. Soudain, les lumières de la chambre de Nick s'allument, et Tony voit sa caméra. Nick éteint rapidement les lumières, mais Tony est déjà en route. Il appelle Cort à l'aide, qui pirate le téléphone de Tony, et apprend qu'il a appelé la réception pour se renseigner sur la chambre qui se trouve en face de la chambre 686. Il découvre que c'est la chambre 700, et il s'y dirige immédiatement. Cort dit à Nick de suivre toutes ses instructions s'il ne veut pas avoir d'ennui et Nick accepte. Cort lui dit de mettre toutes ses affaires et son appareil photo sous le lit, puis de trouver un sac dans le placard qui contient un taser. Nick doit zapper Tony par derrière, dès qu'il entre dans la pièce et Cort s'occupera du reste. Nick hésite à commettre un crime, mais il a trop peur pour faire face à l'agent et accepte le plan. Tony entre dans sa chambre et tombe immédiatement inconscient alors que Nick le zappe par derrière. Cort lui dit alors de bâillonner la bouche de Tony et de le menotter. Nick se rend compte que Cort a déjà tout préparé dans sa chambre et demande à nouveau pourquoi fait-il tout cela. Cort détruit alors toutes les affaires de Nick qui se trouvaient sous le lit et lui dit de quitter la pièce avec son ordinateur portable. Cort le guide ensuite hors de l'hôtel en piratant son système de sécurité. Nick continue de demander à Cort qui il est, mais Cort parvient à esquiver toutes les questions. Dans la voiture, Cort dit à Nick de prendre la caméra de ping-pong dans la boîte à gants et de la placer sur le tableau de bord. Nick en a marre des ordres et refuse de suivre ses instructions, alors Cort fait chanter Nick pour qu'il suive davantage ses instructions en révélant que tout le concours était un canular et qu'il a maintenant une preuve vidéo des crimes de Nick. Le pauvre Nick n'a d'autre choix que de se conformer aux ordres de Cort, et il commence à suivre les flèches. Cort lui dit de continuer à suivre les flèches et les feuilles. L'étrange fenêtre réapparaît, et Nick se connecte aux trois pirates qu'il appelle Nevada. Les trois gars veulent travailler pour lui et ils se présentent comme un groupe nommé Trio. Cort revient, alors le chef de Trio, Pierre se met en sourdine et Nick fait une excuse qu'il écoutait la radio. Lorsque Cort repart, Pierre dit à Nick qu'ils lui laisseront une fenêtre ouverte et qu'il pourra les appeler à tout moment. De plus, il est peut-être le meilleur hacker du monde, mais ils sont les deuxièmes meilleurs. Nick atteint bientôt la destination et Cort l'informe qu'il était encore plus facile de pirater l'ordinateur de Gilles. Cort lui dit alors de faire glisser un rectangle rouge sur l'ordinateur de Gilles. Nick refuse de le faire alors Cort se montre, révélant qu'il se cache dans l'appartement de Gilles, et qu'il l'attaquera si Nick n'obéit pas. Nick accepte de faire glisser ce rectangle rouge sur l'ordinateur de Gilles. Pendant ce temps, il contacte Pierre,
et leur dit de suivre sa position. Pierre et d'autres se mettent au travail avec enthousiasme car ils pensent travailler pour le Nevada. Lorsque Nick fait glisser ce rectangle rouge, cela ouvre un flux en direct de Tony recevant des décharges électriques dans l'hôtel. Nick et Jill ont tous deux peur de le voir. Kurt ordonne à Nick de dire à Jill qu'elle n'est pas autorisée à utiliser son téléphone, sinon Tony sera électrocuté. Kurt dit alors à Nick d'aller de l'avant et de se venger d'elle. Même s'il ne le fait pas aussi, il oblige Jill à se déshabiller et clique sur les photos pour les publier sur son site de fan. Jill essaie de décrocher sournoisement le téléphone pour appeler les flics, mais son téléphone est déjà piraté et l'appel ne passe pas. Lorsque Kurt part, Nick allume le microphone du téléphone de Jill et lui dit de ne pas s'inquiéter. Cependant, juste à ce moment-là, Kurt entre dans la chambre de Jill et la kidnappe en utilisant la force brute. Pierre informe Nick que les flics sont en route. Il pirate ensuite les caméras de la maison et voit Kurt au premier étage. Lorsque les flics arrivent à l'extérieur de la maison, Nick se rend compte que Kurt n'est en fait pas à l'intérieur et la vidéo qu'il voit est une boucle. C'est alors que la pièce où Jill a été attrapée explose et Nick entend l'explosion juste devant lui. Ce qui signifie que Kurt était juste à côté de la rue, il y a quelques instants. Pierre a informé Nick que la police venait maintenant après lui, car l'ordinateur de Jill renvoyait des signaux à son ordinateur portable. Kurt revient également et informe Nick qu'il a une dernière tâche pour lui. Nick a besoin de distraire la police pendant un moment, et ce sera tout. Kurt part en disant cela, et Pierre parvient à suivre son emplacement. Ils disent à Nick que Kurt est dans une voiture non loin de lui, alors Nick commence à le poursuivre, tout en évitant la police. À ce moment-là, Nick découvre que Kurt a également piraté son site web, et qu'il a publié des photos nues de Jill. Aussi, une vidéo complète sera disponible sur le site dans 30 minutes. De plus, cette même émission est diffusée sur un tiers du réseau mondial. Cela signifie que celui qui est derrière tout cela est très puissant. Nick se souvient que Kurt avait plus de caméras de ping-pong avec lui, alors il a demandé à Pierre de les suivre. Pendant ce temps, un gars de Trio retrouve la source des photos nues de Jill, et parvient à copier un fichier vidéo, avant qu'il ne soit bloqué. Le nom du fichier vidéo est Tantriocal, et la date est d'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, The Trio a contacté Nevada, car il voulait travailler pour lui. Les Trios ont réalisé que le vrai Nevada peut être vu avec le masque dans le fichier vidéo, alors que Nick n'est qu'un leurre utilisé par le Nevada pour se débarrasser de la police. Le Nevada est en fait le meilleur hacker au monde qui mène toutes ses opérations et braquages pour le bien du monde, et Nick ne devrait pas s'inquiéter pour Jill, car personne n'a jamais été blessé dans les opérations du Nevada. Ensuite, dans ce fichier vidéo, il voit que le Nevada a été tué par Kurt, et qu'il a pris le contrôle de ses serveurs. Pierre traque toutes ses caméras de ping-pong et Nick commence à le suivre. Il découvre que Jill est dans le coffre de la voiture, et qu'il est sur le point d'entrer en collision avec Kurt. Nick se dépêche et va vite pour s'écraser avec Kurt, mais il rate et s'écrase accidentellement dans un mur. Il perd connaissance et quand il se réveille, Kurt est devant sa voiture en train de l'enregistrer. Peu de temps après, Kurt tire sur Nick et il meurt dans sa voiture. Lorsque la minuterie de l'émission est terminée, Kurt ne donne pas aux téléspectateurs la vidéo complète de Jill, mais menace plutôt de la tuer si la moitié des téléspectateurs ne quitte pas le site web. La vie de Jill dépend du nombre de téléspectateurs. La tendance humaine peut être devinée facilement lorsque le nombre de téléspectateurs augmente au lieu de baisser. Alors Kurt simule sa mort en faisant exploser une usine désaffectée. Après cela, Jill réalise sa place dans la société et avoue qu'elle ne devrait pas être dure avec tout le monde autour d'elle. Cependant, elle essaie de fuir quand elle voit l'opportunité mais échoue. Kurt la lie à nouveau, mais à ce moment-là, il reçoit un message du Nevada sur son ordinateur. Nevada révèle qu'il se faisait passer pour Nick tout ce temps, et que le vrai Nick est vivant dans le coffre de la voiture. De plus, il n'est pas mort lorsque Kurt lui a tiré dessus, car il a l'habitude de porter un gilet pare-balles à tout moment. Lorsque Kurt sort à nouveau, il se rend compte que le Nick au volant n'était qu'un leurre que Nevada a utilisé. Tout cela était une opération du Nevada pour faire sortir Kurt de sa cachette, et en ce moment, le Nevada est de retour dans l'usine pour sauver Jill. Un incendie se déclare dans l'usine, et Kurt voit à travers ses caméras que le Nevada a sauvé Jill, et qu'ils se sont tous les deux réfugiés dans un bunker. Kurt essaie également d'entrer dans le bunker, mais l'usine s'effondre bientôt, et il est écrasé sous les débris. À l'intérieur du bunker, Nevada et Jill ont tout ce dont ils ont besoin pour survivre pendant un certain temps. Ils voient dans les nouvelles qu'en raison de la mort soudaine et tragique de Jill, le film Ciel sombre, la troisième vague sortira bientôt pour lui rendre hommage. Nevada présente ses excuses à Jill pour l'avoir fait traverser tant de problèmes. Il révèle qu'il ira se cacher pendant un certain temps après cela, et Jill avoue qu'elle aussi veut se cacher. Quand Nevada a demandé combien de temps, elle a dit assez longtemps. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de résumés de films comme celui-ci.